Doté d'une capacité d'accueil de 2400 élèves, de 4 bâtiments R+2 abritant notamment 48 salles de classe, 4 laboratoires, un amphithéâtre, un internat et dispose des aires de jeu, le lycée interdépartemental de Vindoulou, érigé dans la périphérie nord de la ville océane, pourrait accueillir ses premiers élèves à la prochaine année scolaire 2021-2022. Annonce faite par Jean-Luc Montou, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Ce lycée interdépartemental permettra de désengorger les effectifs parfois pléthoriques dans les lycées de Pointe-Noire et du Quilou. Sur ce site de Vindoulou, où ce projet de lycée interdépartemental de Vindoulou a un pourcentage d'exécution très avancé, les travaux que nous avons visités ce matin s'appuient particulièrement sur la réalisation de l'amphithéâtre et puis le bloc administratif et quelques laboratoires qui aujourd'hui encore sont en travaux, mais le gros œuvre. Les 48 salles de classe sont déjà achevées depuis très longtemps. Ce qui reste du chantier se fasse très rapidement pour que nous soyons certains qu'à la rentrée prochaine du mois d'octobre, nous allons bénéficier de ce lycée et le mettre à la disposition de nos apprenants. Jean-Luc Montou a également visité les structures scolaires des départements de la Bouenza et du Nuari en chantier, notamment le 3e lycée de Dolizy déjà achevé, les travaux d'extension du collège de Caille en cours, les travaux d'élargissement de la capacité d'accueil de l'école primaire Raphaël Mwanda de Nkaï, enfin les travaux de construction du lycée de Loudima financés par le député Pascal Tsatsima Biala. Le député que je suis, enfant d'ici, je me suis donné les moyens pour offrir à l'État et à nos enfants ces modestes bâtiments pour que désormais ces enfants n'aillent pas si loin pour terminer leur cycle secondaire. Donc ici nous sommes sur le site qui est tout à la fois déjà opérationnel, mais encore un chantier puisqu'il y a un bâtiment, peut-être un troisième, peut-être un quatrième. Vous êtes ici sur un terrain qui a 5 hectares que j'ai offert à l'État. Prélevé sur mes terres, parce que je suis en même temps propriétaire terrien. Je ne suis pas que député. C'est un lycée de l'État qui a décidé d'ouvrir, mais je suis venu à la rescousse de l'État qui n'avait pas les moyens d'offrir ces structures à la date où nous voulons les avoir. Ce travail consiste non seulement à résoudre l'épineux problème des effectifs pléthoriques, mais aussi et surtout de rapprocher l'école de l'apprenant, a renchéri le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, s'inscrivant dans la logique de modernisation du système éducatif congolais.